Un beau jour, M. Gruber décide d'emmener Paddington à une vente aux enchères. Il acheta le catalogue de la vente et trouva une place dans les premiers rangs pour qu'il puisse bien voir ce qui allait se passer. Paddington décida d'emblée qu'il aimait les ventes aux enchères et c'était vraiment sympathique. À peine était-il assis que quelqu'un lui adressa un petit signe de la main auquel il répondit de la même façon. Une autre personne lui fit encore signe. Et Paddington lui rendit son salut en soulevant plusieurs fois poliment son chapeau. Une fois, deux fois, trois fois. Adjugé, vendu. Non mais qu'est-ce qu'il lui prend? Mais je n'ai rien fait, moi. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Brown. C'est le commissaire priseur qui a vendu quelque chose. Ben j'espère que ce n'est pas cette table. Depuis le temps, elle doit être toute abîmée par les coups de marteau. Lot 65, ensemble de menuiserie vendu pour la somme de 5 livres à l'ours qui tient un sandwich. 5 livres pour un ensemble de menuiserie? Mais je n'ai que 10 pence sur moi. Vous avez sans doute fait un signe de la main, M. Brown. J'aurais dû vous prévenir. Dans une vente aux enchères, il suffit qu'on hoche la tête ou qu'on se gratte le nez pour que le commissaire priseur croie que vous êtes intéressé et vous attribue la vente. Sur ce, Paddington ne broncha plus, osant à peine respirer et encore moins grignoter son sandwich de peur de se faire encore remarquer. Combien pour ce vieux pistolet de voleur de grand chemin? Voilà le genre de choses dont j'ai toujours eu envie. Je crois que je vais tenter ma chance. Dépêchons-nous. Qui veut commencer l'enchère? J'ouvre à 10 livres. 11 livres. 12. Mon Dieu, j'espère que je ne vais pas perdre, Monsieur Brown. 13 livres. 14 livres. 14 livres. Qui dit mieux? 15. 15 livres. Une fois, deux fois, trois fois. Adjugé vendu. À l'ours sur ma droite. Monsieur Gruber commençait à se demander s'il avait bien fait d'emmener Paddington à la vente aux enchères. Je crois qu'il vaut mieux que je m'abstienne, Monsieur Gruber. Les ours ne sont pas très doués pour les enchères. Lot 67. Un confiturier très original. Oh, attendez, attendez. C'est tout à fait ce qu'il me faut. Madame Bird se plaint toujours que mes pots de confiture collent partout. Combien m'offre-t-on pour cette belle pièce d'argenterie? Je vous en offre 5 pence. 5 pence? J'ai bien entendu dire 5 pence. 6 pence. Mais dites donc, j'ai l'impression que cet ours a l'air de s'y connaître. Ah, c'est peut-être un faux. Personne n'en offrirait 6 pence si c'était vraiment de l'argent. Une fois, c'est vraiment tout ce qu'on m'offre. Personne ne dit mieux que 6 pence. Deux fois, trois fois, adjugé, vendu. Une très belle affaire, Monsieur Brown, et qui nous récompense largement de ce que nous avons perdu avec votre ensemble de menuiserie et le pistolet. Oui, après tout, les ventes aux enchères ont du bon. Et puis, la confiture d'orange a tellement meilleur goût dans un confiturier en argent, surtout lorsqu'il n'a coûté que 6 pence. Paddington.